Voilà, notre révérend pasteur est avec nous, Victor Kouassi, bonjour. Bonjour, Blessing. Bonne fête de l'indépendance. Merci. 58 années, vous avez 58 ans, non. Je n'ai pas encore 58 ans. Ben ouais, parce que je suis né 20 ans après l'indépendance. J'ai à peine 38 ans. Ah d'accord, mais super, voilà. Il est si jeune. Hein. Ah, mais avec une contenance qui ne dit pas son nom. Alors, aujourd'hui, à vos téléspectateurs, vous avez justement un message particulier. Oui, simplement dit que, à mon avis, l'indépendance n'existe pas. Parce que quand nous ne dépendons pas d'une chose, nous dépendons d'une autre. Et si nous ne dépendons plus de la colonisation française, c'est que nous dépendons de nos ressources, et surtout de Dieu qui nous donne ces ressources-là. Donc, dit aux frères que, surtout comme nous sommes dans un cadre chrétien, nous ne dépendons plus du diable. Nous dépendons donc du Seigneur, et nous devons vraiment, vraiment, vraiment lutter pour pouvoir rester dépendants de Christ. Parce que c'est ce qui peut nous donner la réelle liberté et la liberté que nous cherchons. Et c'est ce qui peut nous permettre de réaliser nos ambitions. Alors aujourd'hui, c'est juste dire une prière pour ces frères-là qui ont fêté l'indépendance. Chacun a fêté à sa façon. Juste dire que je prie que la grâce du Seigneur visite pleinement ces vies qui aspirent à l'indépendance. Et à ceux qui ne sont pas encore dépendants de Christ, je veux dire qu'ils ne sont pas indépendants du diable, qu'ils ne sont pas encore dépendants de Christ, je prie que les chaînes qui les lient encore aux malédictions et aux puissances des ténèbres soient brisées au nom de Jésus-Christ. Mmh. Et que la grâce du Seigneur qui vient dans leur vie pour pouvoir les séparer de cette dépendance démoniaque, pour les soumettre à la puissance du Seigneur, les visite maintenant au nom de Jésus. Je prie que la grâce leur soit partagée en abondance au nom de Jésus. Amen. Merci, pasteur Victor Kouassi. Votre programme sur Béni TV, c'est toujours à 5h30. À partir de 5h30, du lundi au vendredi, et c'est prier sans cesse. Cette émission que les gens connaissent et cette émission qui me bénit moi-même. Ouais. Et je prie que ce soit une émission qui continue d'entrer dans les maisons chaque matin. Et vous voyez, dévancer l'Europe, posséder sa journée, c'est gagner beaucoup de victoires sur les ennemis qui sont préparés avant de voir le jour. Je crois que beaucoup de personnes continuent de suivre cette émission, je dirais ça comme ça, et que le Seigneur bénisse et qu'il soit avec vous. Merci et bonne fête d'indépendance aussi à vous, même si vous dites que vous êtes dépendant de Christ, effectivement vous avez raison, et un peu comme quelqu'un que je connais, Roger Fernandez Gaga, qui dit il est l'esclave du Christ. Amen. Donc en réalité il n'est pas indépendant. Absolument. Merci, on va justement partir pour Espace Annonce. Allez, à tout de suite.